J'avais envie dans cette vidéo de parler des limites de notre médecine actuelle. J'ai tellement de retours en ce moment de personnes qui ont vraiment des douleurs physiques très fortes et qui ne trouvent pas de réponse dans le milieu médical. Et j'ai vraiment à cœur de faire cette vidéo pour dans l'espoir en fait que si c'est ton cas, tu puisses tomber sur cette vidéo ou peut-être éclairer quelqu'un qui a un problème physique et qui est souvent très mal diagnostiqué ou voire même pas du tout diagnostiqué par les médecins traditionnels. Il peut s'agir de n'importe quoi, d'une douleur très forte à la poitrine, d'une hyper angoisse, des choses qui sont parfois même diagnostiquées comme de la bipolarité ou peu importe. Quand le corps parle, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est vraiment le message, c'est quand le corps bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui... C'est quand ton corps parle, pardon, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et que 95% des cas, c'est un problème psychologique et pas mécanique. Le problème, c'est que quand tu commences à rentrer dans le parcours de soins médical, comme aujourd'hui, il faut bien le comprendre, la médecine est de plus en plus orientée résultats, eh bien, on va te faire faire des tas d'examens. On va t'emmener d'un spécialiste à un autre sans même vraiment t'entendre, sans même prendre soin vraiment de ton mal. Et alors que finalement, déjà, en faisant l'expérience d'être entendu, ton corps va déjà se détendre. C'est le premier besoin en fait du corps, c'est d'être reconnu dans sa douleur. Mais j'ai l'impression que les médecins ont complètement oublié les basiques de la médecine. Quand on va pas bien, on a besoin d'être entendu dans notre difficulté et pas... Or, aujourd'hui, la plupart des gens, des soignants, font des examens. C'est l'excès de... C'est le travers, en fait, du côté ultra scientifique, avec les super outils, les examens à tire-larigot, les IRM, les scanners, les machins. Mais ces éléments-là, ces diagnostics-là ne répondent pas au besoin, à ton besoin premier, qui est d'être entendu dans ce que tu vis. C'est vraiment essentiel. C'est la première des choses. Parce que le corps connaît le chemin pour se libérer. Mais si on n'écoute pas le corps, du coup, il ne peut pas trouver le chemin, en fait. Ma méthode à moi, c'est justement de t'apporter cette écoute. Mais cette écoute vraiment empathique, et d'écouter au-delà, en fait, à travers tes mots, à travers ce que je ressens, parce que c'est l'inconscient qui parle à travers les mots. J'ai eu tout à l'heure une cliente qui est venue me voir parce qu'elle avait des douleurs physiques dont elle n'arrivait pas à trouver les réponses, l'origine. Et quand on a commencé à dater le début de ces douleurs, il y avait un lien avec son mariage, il y avait un événement qui avait été déclencheur, qui est le décès de sa grand-mère. Je n'ai fait juste que tirer le fil. Il faut bien comprendre que il n'y a que toi, en fait, qui sait comment tout ça s'est mis. Alors évidemment, c'est pas conscient, mais il suffit juste d'écouter la personne. Et on nous fait croire, en fait, dans notre médecine actuelle, que le patient ne sait pas, en fait, pourquoi il a mal et qu'il doit s'en remettre à la médecine en faisant des tas d'examens. Et que c'est des machines
qui vont apporter un diagnostic. Alors, c'est clair que en faisant ça, tu vas toujours trouver quelque chose qui va pas. Hein. Là, je sais plus, on lui a diagnostiqué un truc, elle a fait une coloscopie. Et elle avait cette intuition que ce n'était pas vraiment la cause. Elle a voulu creuser et elle est tombée sur moi. Pas de hasard. Et en une séance, on a débloqué plein de choses. Et elle a compris qu'elle était HPI. Et elle a compris qu'elle avait cette hypersensibilité donc, dont elle s'était protégée depuis toujours. Et évidemment, il y avait comme une espèce de carapace. Et que cette carapace-là, eh bien, s'est fissurée avec le décès de sa grand-mère. Alors, dans ce cas-là, c'est ça. Dans un autre, ça sera autre chose. Mais en tous les cas, c'est super important de comprendre que nous avons un corps physique, un corps émotionnel, un corps spirituel et un corps mental. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la médecine ne traite que le corps physique et elle le décorrèle complètement de la partie émotionnelle. C'est comme si tu étais pas mieux en fait qu'une voiture à qui on fait passer un contrôle technique. Waouh, mais où est-ce qu'on est quoi? Dans quelle vie? Dans quelle société vit-on? Complètement déconnecté de l'humain. Alors que c'est ça dont on a fondamentalement besoin, de connexion, d'écoute, d'être reconnu dans notre différence, dans nos souffrances. Et que quand on est reconnu, l'inconscient en fait n'a plus besoin de se manifester autrement. C'est Carl Jung qui dit ça, que quand l'inconscient n'est pas mis en lumière, alors du coup il se manifeste en destin. Et c'est évident, c'est l'origine en fait de toutes les maladies auto-immunes que l'on retrouve d'ailleurs très souvent chez le THPI. Donc voilà encore une façon de sortir des sentiers battus. Si tu es vraiment malade et que tu ne trouves pas l'origine de ton mal, alors viens me voir. J'ai sûrement une clé pour toi. On trouvera, ça c'est sûr. Voilà, j'avais envie de passer ce message d'espoir et tu peux diffuser au plus grand nombre, t'abonner à ma chaîne pour avoir encore plus de clés pour sortir des sentiers battus et savoir comment vivre différemment sur cette terre pour vibrer en fait pour vibrer sur la même longueur d'onde, rencontrer des gens qui vibrent comme toi et à ce moment-là, tu ne vas plus avoir à te protéger sous ta carapace. Tu vas pouvoir laisser émerger cette sensibilité qui est la tienne. Et là, ta vie va vraiment changer, hein. Ça c'est sûr. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à bientôt.